font conduire tous leurs pilotes, dont le mec qui, avec qui je vais conduire. Je ne conduis pas. La nuit tombe, je ne conduis pas. Après, c'est le jeudi. Le jeudi, ils ne me font pas conduire, mais après, si je ne conduis pas, je n'ai pas le droit de faire les 24 heures du mois. Donc, il doit être 11h15 du soir, et ça s'arrête à minuit, je sais pas, un truc comme ça, les essais. Kennedy me voit, mais pas parlé, pas un mot. Il, depuis que j'étais arrivé. Là, il me voit. Ah, il dit, putain, sortez une voiture. Il dit, nous, mécanicien, italo-américain, en Italie, sortez une voiture. Elle sort, je monte dedans, je fais 3-4 tours, et là, je vois dans les stands, ils battent le drapeau, parce que c'était comme ça le panotage à l'époque, en truc de panotage. Je rentre, et j'avais fait le deuxième temps. Surprise, à la surprise générale, j'étais 12 secondes plus rapide que mon équipier, qui ne savait pas conduire, et j'étais juste à quelques poils des meilleurs américains, sauf un, qui s'appelle Sam Posé, qui était vraiment mon pilote, et qui n'était dit, changer les pneus. Il restait 20 minutes, une demi-heure, changer les pneus. C'était des pneus pourris. Je fais le meilleur temps. Je rentre au stand, Kennedy avec eux. Ils me considèrent comme un pilote, là. J'étais vachement content, hein. Putain, ouais. J'ai failli la planter, la Ferrari, parce que j'étais à l'ultra-limite partout. Mais j'avais fait ça, le meilleur temps, je ne savais pas. Il m'a dit... Et là, je ne pouvais rien faire en course, parce que mon équipier, c'était 15 secondes autour, je m'étais... Le lendemain des 24 heures du Mans, je n'avais pas plié la voiture, je n'avais pas touché une seule fois. Kinetti m'a dit, alors il me file une liasse de billets. Bien sûr, je ne les compte pas, parce que c'est une honte si je les compte. Je ne les compte pas. Et il me dit, voilà, est-ce que tu peux venir aux États-Unis? Moi, j'étais... Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis étudiant. J'ai dit, attendez, vous inquiétez pas. Je ne suis plus étudiant, si vous voulez. Je viens aux États-Unis.